Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, j'ai un petit coup au cœur ce soir, mais ça va aller. Si vous en faites pas. Rien d'ingérable, rien de. Voilà. Ça passera, c'est rien. Un petit gros coup de mou, mais c'est pas grave. On fait avec. Si la vie était toujours rose, ça se saurait. Enfin, c'est pas grave. Bon, je crois avoir compris mon erreur, c'est que j'en ai parlé à un de mes amis, John, qui est le troisième speedrunner, je sais pas si ça se dit, mondial de ce jeu-là, qu'il a fini en 1 minute 42, je crois. 1h42, pardon. Et voilà, il m'a conseillé, planque-toi, mais j'avais pas capté que je pouvais me planquer dans les baraques. Donc voilà, donc j'espère que là ce soir on va réussir. Désolée, la voix elle est pas trop. Pardon, attendez. Pardon. Comme je vous disais, il y a un petit moral, j'ai un gros coup au cœur, donc c'est pour ça que j'ai la voix un peu. Avec des sanglots dans la voix, on va dire. Mais bon, ça passe. Donc voilà, donc là on va essayer en se planquant dans les maisons, comme je vous ai dit, si au bout d'une demi-heure on n'arrive pas, bah, je le ferai en live parce que je vais pas me prendre la tête pour un truc qui passe pas quoi. Et tout à fait, voilà, je vais pas vous saouler avec je vais pas vous saouler 1 heure avec ça. Voilà. Non, et par contre, j'ai pensé tout à l'heure, on n'a pas une machine à écrire. Donc, au final, je sais pas si ça save ou pas. Donc, dans le doute, on va faire continuer. Les plus récentes. Dimitrescu. Merde, on n'était pas au château. Oh non, putain, c'est ma partie au couteau. C'est ma partie au couteau. Ouais, parce que la partie. J'ai fait en. Et j'ai fait hors live, j'ai fait au couteau, donc c'est ma partie au couteau. Shit. C'est pas grave, on va faire. Bon, s'il faut, on recommence, tant pis. Hein. Mais bon. Puis là, je peux pas quitter, donc. Apparemment, on va switcher. Merde, elle a mon couteau. Il faut d'ailleurs que je finisse de fouiller le château. Pardon. Bon, on l'avait mis où? Putain, je crois qu'il faut qu'on recommence. Fais chier. Ouais. Encore recommence. Bon, sur laquelle on avait mis du coup? Je me rappelle plus. Sur la 2, je crois. Mais je crois que je vais plutôt prendre sur la 7. Où j'ai également le lance-grenade, il me semble. De toute façon, on est obligé de recommencer, donc c'est chier. Du coup, on recommence. Oh merde. J'aurais pas dû arrêter comme ça. J'aurais dû continuer. Mais je sentais l'énervement vraiment monter. Oh chier, je suis obligé de tout refaire. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère. Je vous appelle cinématique. Hein. Parce que bon, comme ça, plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Allez, tais-toi. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Faut retourner vite au village pour vous éviter de voir 50 000 fois les mêmes choses que tes chiens. J'aurais pas dû couper. Mais je l'ai dit à maman. Elle est un peu petite pour ce livre. Ouais. J'ai fait une grosse erreur, je suis désolée. Je vous On y est presque, ma puce.
J'avais pas capté du tout, en fait. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Rien. Papa ne laissera aucun vilain ça monstre va, t'attraper. On était à l'assaut, quoi. Donc... C'était quasi au début, donc... Ça saoule. On a Heisenberg à passer. Les jeux, là, et on y est, quoi. Je suis désolée, je suis obligée de vous réimposer ça. Hop, on switch, comme ça, on... La partie dans la neige où on peut pas avancer. C'est cool. Oh. Allez, putain, on s'en fout. Allez, hop. Donc là, faut que je pense à me camoufler dans les maisons, en fait. Je crois que c'est ça mon erreur, c'est que je me mettais dos au portail. Et au final... voilà, quoi. J'étais trop exposée, je pense. Je pouvais pas me protéger, j'étais... Je pense, on va voir quoi, parce que peut-être me gonfler aussi, donc... On peut pas courir, c'est mignon. En plus, je suis pas tellement d'humeur ce soir, mais ça va me changer les idées. Pas grand chose à refaire. On a ça, on a le vieux éclat qui nous donne l'arme, mais bon là on va switcher aussi. Je suis désolée, ça me gave, je vous le dis, ça me gave. Oh là là, il a tout pété. Ça va, on est presque au début, quoi. Donc, ça va, la soeur du village, elle arrive assez vite. J'aurais pu remettre en épisode 1. Au lieu d'épisode 2. Limite. Et où est-ce que je vous mets sur mon téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, il n'y a même pas le lance-grenade. 3000. Oh putain, il reste pas à améliorer au max. Hein. Fait chier ce truc.
Ok. Bah, on va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop. Voilà, vous êtes sur mon téléphone. Désolé, ça a mis du temps. Non, mais ça tourne, putain, ça me saoule. Ok. Ça tourne, ça pixelise. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va, on est quasi là où on a juste à faire quoi. Allez hop. Attends. Le dragon, c'est peut-être pas l'idéal. C'est quoi ce bordel? C'est peut-être pas l'idéal. Ok, donc là, on va dire qu'on est quasiment arrivé là où on était. Ok. Mais c'est vrai que ça m'a fait tilt cet après-midi. Mais putain, j'ai pas save. Il y avait pas de machine. Ouais, salut. Je pense que je peux barricader les portes. Merde. Allez, mets-le-moi, allez hop. Ça va, c'est mauvais jeu de mots. Allez, viens là, hop, tombe. Sur 350 lui. Ouais, donc là. Allez là, dépêche-toi là. Je sais pas ton temps. Okay. Je suis encerclé. Merde. Allez, dépêche-toi là. Ok, c'est fini. Allez, hop. Je pense à me barricader dans les baraques en fait. Parce que j'y pense pas. Et c'est mon tort. Ah, il a même pas cassé la porte. Finalement, survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Hop, je vais rester là. Boum. Boum.
Allez, venez. Si on ne parle que par là, ça me va. Il y en a de plus en plus. Ok. Il y a l'autre avec ses flèches. Bon, j'ai trouvé la bonne position là. Moi, je pense. Voilà, je me gratte deux secondes. Bon. Ok, la flèche, ok. On est bien là. Hein. Peut-être même pas la fenêtre, c'est bien. Non, dégage. Ah ben j'aurais su, je serais resté là. Et Hagrid, il est où là? Il tape dans la maison. Oh Hagrid là, oh tu calmes. Hein. Tu vas nous donner le mal de mer. Il doit y avoir un sacré paquet de trucs à récupérer en bas. Putain, je me crois chez Moreau là, ça tremble. Non, heureusement que je suis en illimité. Hein. Dégage. Que Sharp, non, il va rester là. Je les ai tous tués, est-ce que le gros? Ah bon? On prend le risque? Y'a plus personne? Il va y avoir que le gros, non? Et Hagrid, t'es où? Ouais, je crois. Ah voilà! Là, c'est bon! Mais j'ai peur, je suis...
c'est le meilleur endroit. J'ai de la chance que c'est pas l'autre fenêtre. On va pouvoir enfin avancer, putain. Je m'excuse de vous avoir proposé de la merde. Merci, Chad. Jamais tu vois ce style. Merci. D'un amour, merci. J'aurais jamais pensé, en fait. Ça paraît tellement évident de se barricader. Moi, je restais dehors, mon conne, je pensais même pas. Donc, merci, Chad. Ok. Ça va, on a rattrapé, on a passé les cinématiques et voilà. On était au début, donc au final. Bonjour, madame. Attendez. Ok. Il doit y avoir un sacré paquet de trucs là-bas. À récupérer. Où c'est qu'on était? Là, je crois. Ouais. C'est Noël. Oh, il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y avait plus que ça, dis donc. Alors je me disais, mais merde, putain, j'avais pas save. Ça m'aurait fait chier de... Mais ça va. Ok, bon, j'ai pas besoin de me soigner, non. Ok. J'ai de la chance qu'il passe pas par la fenêtre d'en haut, du coup. Sinon, ça aurait été chiant. Là, c'est bien, il passait pas en haut, donc c'était bien. J'étais léger. J'étais tranquille et tout. Allez, boum, c'est Noël. Elle est où la porte? Ok. Pardon. Oh, je me sens tellement bien, soulagée. Ok, là il y a rien. J'ai tout visité. Ouais. Euh...
la maison là. Qu'il reste des trucs dedans. Ah là, il est énorme. Ah bah non. Je m'en rappelle plus. Ah, c'est un village des ombres, donc peut-être que les objets sont aléatoires. Je sais pas. Prendre l'alcool, non? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça met une trigger. Oh ben je sais pas, pas vrai. Et Noël. La vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? Le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez! Où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici? Et on va se regarder tout de suite. On m'a fait peur, lui. Là. C'est vrai, Céline, pense, on n'est plus, on n'est pas en normal. Oh merde. M'a fait peur ce con. Ok. On va pas relire les trucs, ok.
Ok. D'habitude c'est du fou. Pourquoi c'est de la ferraille? J'ai jamais remarqué qu'il y avait de la fumée là-dedans. Pourquoi il y a de la fumée? Je sais pas. Bon, on sauvegarde. Une connerie là. Alors on va mettre la partie 3, c'est mon truc au couteau. On va mettre la partie 2. Bon, toujours pour éviter le bug des sauvegardes. Hop, voilà. Pour l'instant, les trésors ont l'air en place similaire. Donc, à voir. Parce que j'ai vu, mais je veux pas savoir. Allez, mais saute, putain. Oh, ils ont des flèches. Ah, maman mia. Fermez la porte, vite. Maman mia. Vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ouais, mais maman, elle fait le niveau le plus dur là. Appelle tes vies, tu vas faire quoi? Je sais pas, ma puce. Peut-être le continuer. Hein? Parce que je l'ai pas fini. Dieu, je l'ai noté, Dieu. Ouais. On va que je fasse le 1, que je finisse le 2, puis le 3. Venez, puis c'est le 4, ouvert. Puis le 5. Vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça, de rien. Ouais, et peut-être dans le. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé! Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Quand il y aura Mère la Miranda nous a toujours protégés, mais. Personne ne répond! Papa! Il faut qu'on entre. Tu vas me toucher. Ouais. J'attends qu'il y ait la grande cinématique qui finit ma puce. Y a quelqu'un?
Coucou Milo, comment tu vas? Ma voix. Comme ça après, bah, je... Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Hein? Tu vas attirer les monstres! Liliane Ducarlin, ah, c'est qui lui? Ami. Laisse tout est. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Le lapin, ça va pas le traumatiser. Hein. Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y. Ça va. Tu vas te parler avec quelqu'un. Qui morale ce soir, mais ça va. Vous n'êtes pas de ce village. Non. Moi, c'est... T'as passé une bonne journée. Rends-toi utile. Merci pour ton aide. On va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle s'appelle Louisa, la madame. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Louisa. Entrez, Ethan. Regarde, elle nous accueille chez elle. Elle est gentille, la madame. Restez ici, je vais voir les autres. Ouais. Là, ça fait du bien de dormir. Hier soir, à 8h, j'étais couchée. J'ai quasi fait le tour de la pendule, j'ai dormi 10 heures. Le tour de la pendule. Ouais, pratiquement. Mais comme il y a une demoiselle qui m'a réveillée à un moment, hein. Suivez-moi. Tu sais de qui je parle? Tu vas arrêter. Je vais arrêter pour le coucher. Oui, là, je déclenche le truc, là. Et je vais coucher Rebecca. Venez, les autres nous attendent. Je reviens, je vais coucher la petite. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana. Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Ça va, mon petit Melo? Bonne idée. Venez. Approchez. J'ai plaisir de te voir. Ô puissant, entendez-nous. Unions ensemble dans la prière. Nous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune d'une nuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice. Et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous?
Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Oh non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Elena! Ça suffit! Oh mon Dieu! Je te demande pardon, papa! Hey, regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena! Non! Il n'y a plus rien à faire! Papa! Tout risque de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Aujourd'hui, ça fait 12 mois que je suis là. Non, on va sortir d'ici tous les deux. Dans un mois, ça fera un an. Tu te rends compte? Dans un mois, un an, que ça. Les gens peuvent se serrer à ma chaîne, me donner du tchère et tout. Ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite. Hein. Ouais. Et franchement, merci à tous. Hein. Franchement, j'en mérite pas tant. Je mérite pas ça. Vous êtes trop gentils avec moi. Le feu gagne du terrain. C'est trop d'amour. Oh, j'en chiale, putain. C'est ça, j'ai le cœur en bord des yeux. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Elle aurait tout cassé. Et merci pour tout ce que t'as fait pour moi, mon petit maillot. Franchement, c'est vraiment le droit. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Comme pour tout. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. D'abord. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les s'affronter. Il y en a trop. Non, tout va bien se passer. Ça va. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Ça va depuis tout à l'heure. Quelque chose me dit dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ! Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Il me reconnaît ! Qu'est-ce que tu fais beau ce soir ? Papa ! C'est trop dangereux ! Tout ce que je fais. Bougez pas! Tenez,
Attrapez ma main. Ça va. Ça va. Ethan, partez. Mais ça va. Sauvez votre fille. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Et tu arrêtes de manger tes barreaux, toi, là-bas. Pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena, c'est ok. Attends, je vais faire un truc. Un truc obligatoire. Comment que ça s'écrit? Ok. Voilà. Décris un message, mon petit Nico, s'il te plaît. Hop. Et je vais modifier ça sur Discord aussi tout de suite. Oh merde, putain. Alors, où tu es? Tu es. Pouf. J'ai l'impression que Discord a triplé de volume. Hop. Voilà, une petite épée pour toi aussi, mon Nico. C'est amplement mérité. Et tu es quelqu'un que j'aime très fort. Je comprends pas. Et tu peux toujours compter sur moi comme moi je peux compter sur toi. Donc. Mais pourquoi ça commence? Tu te mets toujours dans l'histoire de merde, toi, écoute. Je te dis. Allez, Léo. J'ai réussi, Nico, à passer l'endroit où j'étais bloquée. En fait, je suis pas sortie de la baraque, je me suis mis dans un coin. Et j'ai attendu qu'ils rentrent par la porte. Ma chance, c'est qu'ils sont pas rentrés par la fenêtre du haut. Ils sont rentrés que par la fenêtre d'en bas. Que par la porte d'en bas, pardon. Et ce qui fait qu'ils pouvaient juste aller sur un escalier. Donc, comme ça, hop, j'ai pu les dégommer au calme. Ouais, c'est là. Arrêtez. Mais la Bianca. Ah, j'ai bien fait de faire une petite tantôt. Ça m'aurait saoulé. C'était qui? C'était quoi ça? En village des ombres, il peut rester du monde là-dedans. Pff, 650. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Dis-moi tout. Elle est où la charrette? Elle est là. On m'a fait peur. Rien sauf si quelqu'un vient avec moi. Mmh.
Tu joues jusqu'à quelle heure? La mort. La mort leur a tous rendu visite. J'imagine que ça mène au château. Et qu'est-ce que t'as envie de faire ce soir? Dis-moi tout. Tu veux faire Rogue? J'ai vu que t'étais dessus tout à l'heure. Rien d'autre que le sang et la mort. Maintenant que je suis tombée sur l'autre là ou qui était pas prévu, j'ai peur. alors attends, ça fait 53 minutes là. Vers 11h, ça te va? Ouais, on trouvera, t'inquiète pas. Il y a des cadavres. Ouais. Mon petit Malo, tu vas faire quoi, toi? Que je sais, ça fait un moment qu'il m'a proposé Fortnite avec lui. Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Si tu es d'accord, Nick. Encore mieux. Ah, mon petit Malo. Mère Miranda va t'adorer. Ah oui, mais il est du Canada. Il est quelle heure chez lui? Il est 16h. 16h. Arrête de geindre, on y est presque. Je ne geindrai pas, d'abord. Je vais partir avec Adam. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. Ah ok, donc tu veux jouer. De plus, je vous promets que si nous comptons ce mortel à la famille Green, mes filles et moi-même, nous chargerons d'apporter son sang avec vous. Donc, en gros... Fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. C'est peut-être bon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais... Et tâche qui donne un prix tout à l'heure. Merci. Tes barreaux pour en avoir deux.
ce qu'à ton ventre. Lycan et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Oui, monsieur. Non. Non! Ici, t'es pas prêt. Engage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça, c'est quoi ça? 2, 1. Attends. récompense. Ah, c'est le mois dernier, ça. Ok. Ah, je crois que je t'ai remboursé un truc. Malo. Je voulais l'annuler, mais... Oh, c'est pas grave, je m'en fous. C'est cadeau. On a quelqu'un en vacances, donc c'est plus de travail pour moi. Ah, merde. Allez, cours. Ah, putain de merde. C'est ça. Cours pour ta vie. Ouais, bah j'ai l'impression de faire du souffle. Je peux te couvrir. J'ai tellement pas l'impression d'avoir fait. C'est très bien, Ethan. La bonne cour est une finale, en tout cas. Non, non. Tu me dirais que tu veux jouer à Fortnite. En tout cas, il n'y a aucun problème. C'est dégueulasse. Toujours en vie. Ouais. Impressionnant. Oh merde. Oh, ça fait plus côté, ça. Quand tu es trop tard. Allez. Bon, Ethan, fais un effort. Merde. Ça alors. Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Oh, tu pensais quand même pas que je te laisserais partir, si? Je dois continuer à divertir Donna et Moreau. Il est donc oui, temps de passer pas. Au clou du spectacle. Attention, saignez. Rien de tel que la viande hachée américaine. Merci, Sandra. Tant qu'elle s'endorme, je parle pas trop fort. Non, elle va vraiment dégager. C'est chaud. Attends, ça c'est parce mais que... Mais le son du jeu, il est trop fort ou ça va? Si vous voulez que je le baisse, vous le détends. Il est où le truc? Bon, j'ai dû le prendre. Baisser, ok. Alors, volume des voix. Les voix, on va mettre 7. Effet sonore, on va mettre ça. Voilà, vous me direz. Si du coup c'est trop bas, je remonterai. Attendez, vous me dites. C'est comment là quand je tire? Ça va? Ah. Mais oui, mais je parle pas trop fort, je vous aide. Parce que Rebecca, elle est... qu'elle s'endorme. Puis si je parle trop fort, eh ben je gueule et je me fais engueuler. Elle vient m'engueuler. Mon corps. Mais ça va, ne vous inquiétez pas. Je parlerai plus fort après. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Ah oui. Vous connaissez mon nom?
Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. T'as inventé depuis longtemps ? Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. J'ai rajouté New Game Plus dans les titres parce que je l'avais pas mis. Ouais. T'en es où, toujours au château ? Vous voulez acheter quelque chose ? Oh oh ! Bah, tant qu'à faire. Voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Ah oui ! C'est tous les trucs de mon ancienne partie que j'avais même pas vendu. Oh bah c'est bien, ça va me foutre bien ça. Et c'est cool. Oh oh, l'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. Bah oui, comme j'ai l'inventaire de ma fin de partie de... Tranquille, ça va. Je me disais, mais pourquoi j'ai ça ? Il n'a pas passé, mais c'est... Nickel. Dis pognon, dis pognon. Nico, il sait, j'adore le pognon. Ok. Des pagnons. Zut, je plante. Voilà. Oh. Ok, donc là, heureusement, coup... vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Super. Donc ça, on va le reprendre. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Limite, je pourrais faire en fait un inventaire où j'ai toutes mes armes. Revenez quand vous voulez. D'accord, on fait ça. Ah ben, j'en entends tous les jours du coup. Ouais. C'est vrai. Allez, on va trier un peu ça. Non, c'est pas ça. Et hop. Allez, la manette là va plus vite. Oh, elle est mou du genou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est lente la manette à bouger. Je sais pas pourquoi elle va pas plus vite que ça. De là ce que se décharge, je sais pas. Pourquoi je range, parce que de toute façon, hein, t'en mettre en bordel, je m'en fous. Ah va, monsieur la tête. T'en es où exactement dans le château, Malo? Moi, je finis toujours par le masque du... C'est pas du plaisir, mais de la joie, je crois. Non, pas de la joie. Je sais plus.
putain, ces chargements, par contre, ça m'énerve. Ça te fait...